L'hôtel d'Aubonne a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1948. Ce vieil hôtel tournusien présente sur la rue une échoppe de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle qui, dans sa simplicité, n'est pas sans intérêt et sans art. La galerie du premier étage, qui repose sur une large voûte située au rez-de-chaussée, est fort soignée. On y entre par une porte en accolade, surmontée d'un écu portant la date de 1493 et présentant en son champ un lévrier surmonté d'un bâton, sans doute un compagnon. À l'est, une belle porte gothique, également en accolade, dont l'extrados est décoré de crochets gothiques retroussés, présente deux rangées de nervures retombant sur des bases prismatiques. La façade du premier étage sur la cour est éclairée par trois grandes baies jumelées en accolade, d'un bel effet décoratif. Le deuxième étage présente deux baies gothiques plus ordinaires, alors que le troisième n'est percé que d'une baie en accolade, mais plus soignée. Les ouvertures gothiques des deux premiers étages de l'escalier sont également fort bienvenues et datent de l'époque de la construction primitive, c'est-à-dire 1493. La tour de la Piguette présente sur la rue du Bac une ouverture amortie par un arc en accolade de la fin du XVe siècle et qui peut être contemporain de Charles le Téméraire, de Louis XI, de Charles VIII ou de Louis XII. Sa façade, qui donne sur la rue de la République et sur la place de la Prévôté, aujourd'hui de l'Hôtel de Ville, n'est pas sans mérite. Elle a conservé toute sa belle ordonnance du début du XVIe siècle. Le premier et le deuxième étage sont percés de jolies baies à meneaux, décorées de nervures aux bases prismatiques encore gothiques. Au second étage, deux corbeaux de pierre, percés de trous, accompagnent les baies. Un mur en porte-à-faux très original, se raccordant à sa base au reste de la façade par des encorbellements successifs, donne beaucoup de pittoresque à cette maison. Cette maison a une particularité intéressante, la présente sur la façade postérieure orientale d'une tour de fortification remontant au Moyen-Âge. Cette tour, construite à la base en pierre de taille de moyen ou de grand appareil aux joints garnis, en quelques endroits de briques rouges, présente toute une série d'archères à arbalète qui commandait l'actuelle rue du Bac. C'est donc la fortification qui a précédé le porche de la Piguette des XVIIe et XVIIIe siècles et qui, peut-être avant lui, a porté le nom de Tour de la Piguette.